Hey, bonjour, ici Narissa. Je fais cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose, d'un fléau qui vous touche peut-être. Si vous avez de nombreux projets, que ce soit professionnels ou des projets personnels, qui tombent toujours à l'eau, que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout parce que soit vous avez des milliers d'idées et que vous avez besoin absolument de commencer des choses que vous ne finissez jamais, ça c'est une chose, mais que aussi, lorsque vous mettez beaucoup d'efforts dans un projet et qui finit par tomber à l'eau et que ça devient récurrent, alors peut-être qu'il voudra vous poser la question, qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Larissa, je suis entrepreneuse pleine conscience et médium, un mélange un petit peu bizarre, et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose, de ce truc dont personne ne vous parle et qui est peut-être à l'origine. Eh bien, du fait que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout d'un projet en création, que vous soyez artiste, entrepreneur ou pas, et que vous ayez aussi peut-être des problèmes de relations, que ce soit en couple, avec vos enfants, avec vos parents, que vous ayez des tensions au niveau de votre relation à l'argent, au niveau de votre propre relation à la vie, à vous-même, etc. Ça peut aller très très loin. En fait, j'aimerais vous parler de quelque chose dont je me suis rendu compte parce que moi-même, en fait, j'en étais victime et j'ai découvert malgré moi, au fur et à mesure, de ma vie, en cherchant, en allant voir des thérapeutes. Je me suis rendu compte, en fait, que il y avait des mémoires inconscientes qui étaient surtout des mémoires d'avortement. Que vous ayez, que vous soyez une femme et que vous ayez vous-même avorté, ou que votre maman, ou que voilà, une personne de votre famille proche a eu des avortements, que vous le sachiez ou non, eh bien ces mémoires sont enregistrées dans votre inconscient. Et vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, consciemment en fait, à un moment donné, vous serez bloqué par ce genre de mémoire. Vous pouvez imaginer la chose suivante. Comment d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question, mais comment, si vous regardez bien, vous pourriez vous autoriser à vivre, à réussir vos projets alors qu'il y a une mémoire de mort finalement qui n'a pas été résolue dans votre inconscient. Vous comprenez un petit peu mieux pourquoi ça bloque. Donc, je vais vous en parler beaucoup plus en détail lors d'une conférence dont le titre va peut-être vous surprendre. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Je vais vous parler d'énergie sexuelle. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie créative. Et lorsque vous avez une énergie vivante, une énergie de vie, une énergie vitale, pardon, une énergie sexuelle, qui est marquée par ce genre d'événements comme des avortements ou des choses difficiles, eh bien forcément, vous répétez sans le vouloir ce genre de schéma. Donc, je vais vous inviter à un atelier gratuit sous forme de webinaire pour vous inscrire, pour réserver votre place. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien que vous avez trouvé autour de la vidéo. Alors, ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ça touche plus particulièrement les femmes puisque nous sommes mamans, hein, nous portons cette matrice et ces mémoires, en plus de l'inconscient collectif. Mais ça touche aussi les hommes, d'accord, qui peuvent, enfin, on peut tous développer des syndromes de l'imposteur, des schémas inconscients d'avortement finalement, de projet. On ne va pas s'autoriser, on va tout faire pour foirer, que ce soit nos rencontres, nos relations intimes, nos relations familiales, ou bien nos projets d'entreprise, nos projets créatifs. Voilà, puisque l'énergie sexuelle, c'est vraiment l'énergie de vie, c'est l'énergie créative, créatrice. Et donc, pour eh bien vous permettre de créer votre vie comme vous avez envie, eh bien, il y a vraiment besoin de purifier, de nettoyer les bases,
Et les basiques, eh bien, c'est d'aller voir dans l'inconscient, débloquer justement ces mémoires et les reprogrammer. Donc je vous expliquerai comment ça fonctionne tout ça. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre. Regardez déjà si vous avez, bien peut-être si vous avez connaissance que vous avez des mémoires d'avortement ou que votre maman a avorté, que vous-même vous avez eu des avortements dans votre famille. Et si bah, vos projets, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, que ça foire tout le temps, là, il faut vraiment vous poser la question. Ça ne vous engage à rien de venir voir eh bien, ma façon de voir les choses, ma façon de partager ce que j'ai découvert. Et puis, on fera également une petite méditation guidée pour vous permettre en fait, d'accéder à ben déjà à quelque chose de plus grand que le mental, qui lui réfléchit tout le temps, pour aller vraiment au niveau cellulaire, aller faire ressortir peut-être des mémoires ou des choses ou des émotions, tout simplement, qui seraient restées bloquées. Donc je vous attends, inscrivez-vous, prenez vos places, partagez cette publication parce que je pense que cette information est extrêmement importante. Il y a énormément d'avortements, même de fausses couches, alors c'est un petit peu moins impactant, mais ça l'est quand même. Voilà, donc je vous expliquerai un petit peu de cette dynamique de l'énergie en fait dans la mémoire familiale, hein, d'accord, vous n'êtes pas arrivé tout seul, vous êtes issu d'un papa et d'une maman et vous avez ben, votre idée, votre concept de la vie et qui est consciente et puis vous avez toute la partie inconsciente où toute la mémoire est stockée, auquel vous n'avez peut-être pas accès, auquel vous n'avez pas accès consciemment, ben parce que vous ne pouvez pas être consciente de tout, hein, mais sachez que tout est absolument enregistré au niveau cellulaire, au niveau de votre être, et nous allons eh bien, aller voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça, et surtout quel impact ça a sur votre business, sur votre famille, sur votre vie de couple, sur votre vie perso, sur votre vie sexuelle, sur votre santé financière, hein, tout ça c'est vraiment lié et vous comprendrez aussi pourquoi tout est lié et comment surtout débloquer tout ça sans avoir à continuer à souffrir et à être frustré que vos projets avortent. Voilà, donc c'était Narissa. Je vous attends avec joie de partager ce sujet un petit peu difficile et partager, cliquer sur j'aime. Voilà, je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt.